collègues, toujours vous parler du Tecno T528. Je vais vous parler aujourd'hui de deux puces qui sont sur le Tecno T528. Il y a un qui se charge de la gestion du réseau et l'autre, c'est la mémoire flash. C'est la mémoire qui contient le système d'exploitation et les données utilisateurs. Je vais vous expliquer à quoi servent ces deux puces et quels sont les problèmes qu'ils entraînent. Et aussi comment trouver des solutions à ces pannes pour pouvoir les réparer. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la gestion du son et les composants qui interviennent dans ce processus. J'avais parlé de cette puce qui est l'amplificateur audio et du processeur. Pour plus de détails, allez regarder la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais parler sur ces deux puces. Cette puce qui est ici et cette puce qui est de ce côté. Je vais essayer d'expliquer comment ils fonctionnent et quelles sont les pannes qu'ils peuvent causer. Je vais commencer par cette puce qui est à ce niveau. Cette puce est une mémoire flash. C'est la mémoire flash qui contient le programme de l'appareil, c'est-à-dire le système d'exploitation de l'appareil. Cette puce a des pattes qui permettent d'envoyer des données vers le processeur et d'autres pattes qui permettent de l'alimenter. Voyons un peu en détail la mémoire flash. La mémoire flash de l'appareil est un SPI. SPI, voici la définition de SPI. Interface périphérique série. Flash memory. Donc, la mémoire est un SPI flash memory. Et ici, c'est les pattes. En regardant sur l'image, nous allons voir ici, c'est la masse GND. Et là, c'est les pattes d'alimentation de la mémoire flash. Là où les flèches sont en bleu, ce sont les pattes qui permettent d'envoyer des données vers le processeur. Et le point blanc ici indique le sens de branchement de la puce. Donc, la mémoire flash intègre le système d'exploitation de l'appareil. Le système d'exploitation qui permet de faire fonctionner l'appareil. Et c'est lui qui se charge de la sécurité des données enregistrées sur la mémoire. Lorsque la mémoire flash est endommagée, l'appareil peut ne pas se démarrer. Dans ces conditions, il est préférable de changer la mémoire flash. Ou, lorsque la mémoire flash est corrompue, c'est-à-dire le système d'exploitation qui est à l'intérieur de la mémoire flash a mal fonctionné ou est corrompu, l'appareil peut se planter au démarrage. C'est ce qui entraîne sur certains technos. Lorsqu'on démarre, l'appareil affiche juste simplement techno, mais ça ne passe plus. Dans ces conditions, il suffit simplement de flasher l'appareil, c'est-à-dire de reprogrammer l'appareil pour que l'appareil continue de fonctionner. Donc, c'est la mémoire SPI qui contient les informations capitales au bon fonctionnement de l'appareil, c'est-à-dire le système d'exploitation. Parce que chaque appareil contient un système d'exploitation qui permet de le faire fonctionner et il faut un bon endroit pour stocker ce système d'exploitation. Donc, pour le Tecno T528, c'est la mémoire flash qui stocke le système d'exploitation. Et à ce niveau-là, oui, il y a le 128, c'est un code. Cette code-là permet d'indiquer que la mémoire flash est une mémoire flash de 128 mégabits. Donc le reste, je ne sais pas ce que c'est, mais au moins ce que je sais, ici à ce niveau, le 128 indique que la mémoire flash est une mémoire de 128 mégabits. Revenons maintenant à cette puce. Je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à cette puce, mais ce que je sais, c'est lui qui se charge de la gestion du réseau. C'est-à-dire, lorsqu'on branche une carte SIM dans l'appareil, c'est lui qui se charge de capter les réseaux. Et lorsqu'il est endommagé, l'appareil n'arrive plus à bien capter le réseau, soit ne capte même plus le réseau complètement. C'est-à-dire, lorsqu'on branche une carte SIM dans l'appareil,
on constatera que l'appareil a pris la 4 SIM, mais le réseau est absent complètement. Ou bien parfois ça vient, ça repart, parfois ça vient, ça repart. C'est cette puce qui est à la base. Lorsqu'il est endommagé, il n'arrive plus à capter les réseaux complètement ou n'arrive plus à bien capter les réseaux. Le point blanc qui est à ce niveau, c'est lui qui permet d'indiquer le sens de branchement de cette puce. Ce que nous pouvons retenir de ces deux puces de Tecno T528, cette puce qui est ici et cette puce qui est de ce côté. Cette puce qui est ici, c'est la mémoire flash de l'appareil. C'est lui qui contient le système d'exploitation qui fait fonctionner correctement l'appareil. Donc, lorsque lui, il est endommagé, l'appareil ne se démarre plus. Donc, dans ces conditions, il suffit juste de changer cette mémoire flash. Ou, lorsque le système d'exploitation qui est à l'intérieur est corrompu, c'est-à-dire est gâté, ne marche plus correctement, c'est ça qui fait que parfois, au niveau de certains technos, lorsqu'on les démarre, l'appareil se démarre, mais se fige, c'est-à-dire se bloque au niveau du techno simplement et ça ne passe plus. Dans ces conditions, il suffit juste de changer le système d'exploitation, c'est-à-dire de flasher l'appareil. Et pour cette puce, on sait que c'est lui qui se charge de la gestion du réseau. Et lui, lorsqu'il est endommagé, l'appareil ne capte plus le réseau. Soit il ne capte plus bien le réseau. C'est-à-dire, parfois, vous allez constater sur d'autres appareils qui ont les problèmes de réseau, le réseau vient un peu, ça repart. Le réseau vient un peu, ça repart. Donc, c'est cette puce qui est à la base. Il suffit simplement de l'échanger pour que cette panne soit résolue. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ces deux puces. Voici comment ces deux puces fonctionnent sur le Tecno T528. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Pour ceux qui auront l'occasion de regarder mes vidéos, si il y a des corrections à faire ou bien des erreurs que j'ai commises, vous pouvez me corriger. Ou bien si vous avez des suggestions à me faire, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à la prochaine fois.